Bonjour. Nous lirons dans Genèse 6, versets 8 et 9. Mais juste avant, comment te portes-tu ce matin? Fais-tu sérieusement ton travail de classe, c'est-à-dire noter la date, ce que tu as compris, des références, et en dessous marquer ma résolution, deux points, une conclusion par rapport à ce que tu as compris? Et l'engagement que tu prends vis-à-vis de Dieu, est-ce que tu as fait ça déjà? Allez, que tardes-tu? Rien n'est plus important que ta destinée éternelle, tu sais. Rien n'est plus important. Tu viens sur Terre, tu étudies, tu as un diplôme, une activité professionnelle qui te rapporte des sous, de la thune, tu as une maison, tu as une voiture, la notoriété, et comme ce chanteur originaire d'Haïti, tu montes sur scène, en une fraction de seconde, paf! Tes deux enfants sont orphelins de père. Le petit qui naîtra, il ne verra jamais son père, physiquement. Il verra des vidéos, etc. C'est ça la vie. Est-ce que tu sais que c'est ça la vie? À tout moment, la mort peut venir frapper à la porte de ton cœur. Et que se passera-t-il après? N'écoute pas le diable qui te dit que tu es mortel, vous ne mourrez point. Donc tu vis comme si, non, la mort, elle l'emporte déjà, mais pas moi. Non, je suis immunisé. Fais pas ça. Mais non. Tu as entre les mains la parole de Dieu, de ton Père qui t'aime. Mets en pratique la parole. Ne te borne pas à l'écouter. Mets en pratique. Si tu as des difficultés, tu envoies un message par le biais de WhatsApp à plus 596 696 889 393. Si tu es encore dans l'autre formule, c'est un portable, plus 596, 696, 88, 93, 93. Envoie-moi un message. Qu'est-ce que ça te coûte? Nous allons échanger. Nous allons partager. Tu n'as qu'une seule vie. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Tandis que nous prendrons la parole, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de notre être. Aide-nous à lâcher prise. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il m'arrive souvent quand je passe dans la rue, quand une personne fume, je lui pose une question qui est la suivante. Alors, vraiment, tu n'as personne qui t'aime. Et la personne réfléchit. Mais pourquoi me dites ça, monsieur? Il n'y a personne qui tient à toi, vraiment? Eh bien, moi, je tiens à toi. Mais pourquoi me dites ça, monsieur? Parce que je te vois fumer. Or, sur la boîte, maintenant, c'est marqué, fumais-tu? Il y a des images de personnes qui souffrent énormément. Et moi, je tiens à toi. C'est pourquoi que je souhaiterais que tu cesses de fumer. Beaucoup m'envoient balader. Mais ça, c'est leur problème. Je leur ai dit quand même. C'est toi qui m'écoutes. Tu fumes ou tu bois. C'est marqué sur la bouteille, l'abus de l'alcool. Mais à quel moment on abuse? À quel moment on devient alcoolique? Personne ne sait. Ah, je suis fort, ça m'arrivera pas. Pourquoi j'utilise cette métaphore? C'est juste pour te dire, toi qui m'écoutes ce matin, que de la même manière que ceux qui fument ont des images et l'information fumée tue, et ils vont là-dedans quand même, toi qui connais la parole, toi qui comprends et qui refuses de faire ce que Dieu te demande, tu fais exactement comme eux.
Lisons Genèse 6, versets 8 et 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Et on s'arrête ici. Certaines personnes déclarent que la grâce vint avec Jésus. D'accord? Qu'est-ce que toi tu as lu là ce matin? Verset 8. Mais Noé trouva quoi? Quel mot? Grâce aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce que cela t'indique? Tu as besoin de 5 secondes? Mais non. Allons, sois sérieux, sois sérieux. Cela indique de manière claire et précise que la grâce existait bien avant la venue de Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est clair pour toi? Dis-moi, oui ou non? Les personnes qui t'enseignent que la grâce est venue que par Jésus, elles sont dans, allez, dis le mot, dans les erreurs. Elles se sont trompées et elles te trompent avec ton accord. C'est pour la première fois dans la Bible que nous trouvons ce mot, la grâce. Mais de manière concrète, la grâce, est-ce qu'elle n'existait pas avant Noé? Mais bien sûr. Lorsque Dieu déclara à Ève et Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras, le jour, ça pouvait être le jour de 24 heures. Mais un jour pour Dieu, c'est 1000 ans. Donc Dieu a basculé dans le 1000 ans. Dieu aurait pu exterminer Ève et Adam le même jour, créer deux nouvelles personnes avec la même consigne. Mais par amour pour Ève et Adam, il leur a laissé la vie. Bien des personnes déclarent que le Dieu de l'Ancien Testament est dur. Mais le Dieu de l'Ancien Testament est aussi le Dieu du Nouveau Testament. Il n'y a pas plusieurs dieux, c'est le même Dieu. Est-ce que c'est clair pour toi? Noé trouva grâce. Alors, qui est Noé? Au verset 9, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Est-ce qu'il était parfait? Non, jamais il n'est pas parfait. La preuve, si tu connais l'histoire, tu découvriras qu'après le déluge, il planta de la vigne, il consomma de l'alcool et il était ivre de chez ivre. Pas ivre, Yves, non. Ivre, Ivre. Aux Antilles, on dit sous. D'accord? La grâce, c'est qu'il tendait à faire le bien. Il tendait à faire ce que disait Dieu. Et si tu connais l'histoire encore de Noé, si tu ne la connais pas, c'est l'occasion pour toi de lire la Bible dans Genèse chapitre 6, verset 7, pour mieux comprendre. Tu verras que sur toute la population, seul Noé, son épouse et leurs trois fils et épouses, donc 8 personnes furent sauvées sur l'ensemble de la population. Cela indique que les rachetés seront en petit nombre. On est d'accord? Où seras-tu? À l'extérieur ou à l'intérieur? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour la parole. Merci parce que tu nous diriges dans toute la vérité. Les différents événements qui prennent place sur notre planète actuellement ressemblent étrangement à ceux qui existaient du temps de Noé, où les hommes avaient rempli la terre de violence. Mais nous croyons que tu as un projet. La même manière que tu sauvas Noé et les siens, parce qu'ils t'aimaient, tu leur as fait grâce.
Nous te demandons de nous aider à essayer de faire le bien en te donnant notre cœur. Fais-nous du bien encore en ce jour. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, n'aie pas peur et à demain si Dieu nous prête vie.